Burkina Faso, Mali, Guinée, Niger et Gabon, entre autres, l'Afrique a enregistré 8 coups d'État depuis 2020. Un retour en force des militaires qui passe mal pour le secrétaire général des Nations Unies. De nombreux pays sont confrontés à des problèmes de gouvernance profondément ancrés, mais les gouvernements militaires ne sont pas la solution. Ils aggravent les problèmes. Ils ne peuvent pas résoudre la crise. Ils ne peuvent que l'aggraver. J'exhorte tous les pays à agir rapidement pour mettre en place des institutions démocratiques crédibles et l'état de droit. Antonio Guterres avait fermement condamné mercredi le putsch comme moyen de résoudre la crise post-électorale au Gabon.